C'est la saison du ski, la neige est bonne, elle glisse bien. Elle glisse même très bien. C'est meilleur ici. Tais-toi, fonce, fonce, il n'y a plus que deux minutes. La ronde s'achève, le rallye d'hiver est terminé. Chaque année, depuis 1953, l'Afrique orientale est bouleversée par la course automobile la plus dure du monde, l'East African Safari, un rallye pour conducteurs fous. Le safari représente l'épreuve totale pour une voiture. Venue du monde entier, les plus grandes marques, les plus grands champions sont aux prises. Pour soutenir leurs équipages, les grandes marques organisent un réseau d'assistance volante. Les enlisements se multiplient, barrant les routes et provoquant des retards considérables. Beaucoup seront éliminés pour n'avoir pas pu s'arracher à la boue. Il y a quelques jours, près de 100 voitures s'alignaient dans le parc du départ. Après 4 jours, 4 nuits de cauchemars, à travers la brousse et la forêt, le sable et la boue, passant du niveau de la mer à la haute montagne, de la chaleur au brouillard, quelques voitures sont revenues. Quelques voitures ont triomphé. Constaine et Toth pilotent l'une des DS21 engagées dans l'épreuve où nombre de marques européennes sont représentées. Thank you.
Ce sera effectivement une marche triomphale pour Robert Néret et Jacques Terramorsi, qui, pendant que leur DS-21 de Londres-Mexico vogue sur l'Atlantique quelque part entre Lisbonne et Rio, ont trouvé le temps de venir inscrire pour la seconde fois consécutive leur nom en tête du palmarès du rallye international du Maroc. Et voici la DS, la première voiture connue par ses simples initiales.